Ils sont trompés. Il reste 3 minutes d'arrêt de jeu. Je voudrais qu'on pense qu'on joue 6 matchs amicaux, pas sous de pression, mais contre Andorre. On joue 6 fois contre Andorre. On bouge comme on bougeait contre Andorre. Ils nous ont jamais marqué 3 buts. Même je ne pense pas jamais 2. Rater le tour final, c'est dire cette équipe, c'est une équipe de café, il ne méritait pas d'être là. Ça, c'est rater le tour final. On participe au tour final de la première minute à la dernière minute et on essaye de remplir notre stade. On donne tout. OK ? Et on va essayer. C'est le commencement. Moi, je dis toujours, ce qui est déjà bien commencé, notre préparation est bien commencée, est à moitié réussie. On fait un nul ici et on est parti vers le vert. Mais une chose, on ne se pose pas trop de questions. On est là, on le mérite, on l'a gagné, et on y va. On joue notre foot. Mais bien concentré. OK ? Bon match ! Premier système, la fluidité et la glisser au maximum. Le terrain large. Deuxième système, attention quand vous faites le 4 contre 4 dans l'entrejeu. Le quatrième à l'extrémité, on va quand même regarder à l'opposé hein, parce qu'il est tellement large. Bien soufflé, c'est pas mal du tout. On était très bien dans notre jeu offensif. Quand on a fait le 1 et le 3, c'était très bien. Ça va se décider sur une phase arrêtée. Évitons les fautes inutiles au milieu. Hein. Pas de fautes inutiles. N'oubliez pas sur les rentrées en touche, le 2 contre 1. C'est la housse qui dévie ou Huygens. Vous laissez un espace pour la housse. Il suffit une fois, et c'est arrivé au match aller que Fabrice perd le ballon, il a déjà. Tu manques 5-6 cm certainement. Ouais. Sans sauter. Sur le blond. Oui. Il est plus grand que lui. Hein. Donc c'est pas évident de prendre un ballon. Et surtout que le type est devant. Donc on doit être à 2 contre 1. Un devant et celui-là s'occupe de celui-là. C'est important qu'on change de place. Mais on est tous très bien occupés. Allez, 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 jusqu'au bout. Et soyez fair play avec un pic. Hein. Ça peut payer à l'avant. Holland est battu. Voilà le Beverly, 2-2. Je ne sais pas donner à tout le monde de faire des balles pareilles. Mais je commence à me dire, mais j'ai suivi de 3 minutes. Jamais.
On fait mal à sortir les douches. De toi de chaussures. Un gros dans son nez. Ouais. Je joue contre qui? Tu es là? Ouais. Petite analyse sur le match de la semaine passée. J'avais demandé votre meilleur niveau comme je vais le demander à chaque fois. Et je pense qu'on l'a atteint. On a vu une équipe d'hommes comme on avait demandé, que ce soit avant le match, pendant le match et après le match. On joue avec un entrejeu inédit. Ce que je veux de Kevin et de Greg, c'est que vous entouriez bien Fred, qu'on bouge, vous êtes des récupérateurs, tous les trois, de très bons récupérateurs, même si vous n'êtes pas tout à fait à votre place. Ce qu'on vous demande après, dès que vous avez un ballon, jouez simplement soutien ou la passe dans l'espace de Sam. Ok ? Surtout être digne, pas l'oublier et jamais l'oublier. Restez bien calme à toute épreuve et avoir de l'énergie. Attention, pas tomber en morceaux s'ils égalisent. Hein. C'est là qu'il faut réagir. Eux vont prendre des risques. C'est vraiment agréable à jouer, il y a beaucoup de monde, c'est tout le temps des matchs au sommet, c'est du plaisir pour moi, c'est que ça. Fils d'un sang, je l'ai ! Hé mon pipi, j'ai pas d'ambiance à pipi ! Putain ! Oui, la gêne !
2540 personnes. Yves, on n'a pas de photo quand t'as marqué. T'as vu le coin là, le coin là. Yves, le coin c'était ivoire. 4h30 non? Ça commence à 4h30 les soins. Yves, le coin là, c'était ivoire. Toute ma famille était là, je te l'avais dit, le quart, 750 personnes. J'ai vu un copain. Je n'ai rien pris. Allez, Mario. Voilà. Une blague face à l'heure. Allez, Mario. Allez, Mario. Georges, j'ai rien pris. Allez, Mario. Georges, je n'ai rien pris. Ni content avant de me proposer ça. Je fais ça depuis l'enfance. J'ai commencé à 8 ans. Ouais. Ouais. Ça, c'est de la qualité, ça. Ça vient d'Espagne. Au niveau d'abord de l'adversaire, je vous ai tout mis là. J'espère que vous avez bien regardé. Il y a 5 pages sur tout ce qu'ils ont fait la semaine passée, les questions, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous les avez vu jouer. Les 2 buts qu'on marque, c'est 2 buts d'énergie, de détermination et de lucidité. 2 magnifiques buts en déplacement. On a eu beaucoup de malchance. Se tirer sur le piquet, même s'ils étaient plus forts que nous. Là, on aurait vu leur morale. Et alors, les 2 ballons flottants qu'ils ont eus vers notre but, c'est 100% de réussite. Il peut tout arriver. Ils peuvent mener 2-0 à 10 minutes de la fin. Tout est possible en foot. On va avoir le public pour nous, mais il faut qu'on leur donne quelque chose. J'ai dit tout donner, tout donner, tout donner, on doit tout donner. Ici, on va voir comment on récupère. Il y a un tas de joueurs qui arrivent après. Allez, bon match. N'oubliez pas, le match nul n'est pas un mauvais résultat. Vous voulez être sur la balle franchement.
Pied mariton, Madeleine, le pied mariton, Madeleine, le pied mariton.
onmogelijk van te slapen deze avond. Onmogelijk. Wie komt zich daar? Was niet daar. Tu as vu Bullings dans les journaux? Oui, encore. Il est parti en France. Même dans Belgique, ni même. Même dans les salons de coiffure à Namur, on fait de la pub avec Bullings. Hier, je vais au cinéma, j'ai vu un monsieur à la télé. C'est avec les joueurs du Bruxelles. Tu crois que ça veut dire quelque chose pour les prochaines? À mon avis, je l'ai vu avec les joueurs de Bruxelles. Timide, mais je l'ai vu. C'est la dernière fois que je vous parle dans ce vestiaire. J'espère que ça aura un effet. En tout cas, pour moi, c'est toujours le même plaisir, la même motivation, même s'il y a 3 ans que je suis occupé non-stop chaque semaine. Le même enthousiasme et la même ambition, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a à faire? Un petit goal d'écart, chez nous, on l'a fait pour tout le monde, sauf peut-être les clubs de D1. Et un petit match nul à Ostende, ce qu'on a déjà fait. Et alors, ça ressemble à un miracle. Hein, personne n'aurait dit ça au début, et pourtant on doit faire juste une chose qu'on sait déjà faire. Vous avez fait quelque chose de fantastique jusqu'à présent. En gros, de fantastique en 3 ans. Donc quand tout est fini, on se réunit un moment ensemble. C'est aussi la dernière fois qu'on va se produire ici, dans un stade plein comme un œuf, de refaire Ostende et de refaire Game. Vous avez entendu cette ambiance qu'on a égalisée. Vous avez entendu cette ambiance qu'on a marquée contre Ostende, quand on a marqué ces 2 buts en 1 minute contre Gale, quand on a marqué ce dernier but, le stade était prêt à exploser. Ça a été des moments inoubliables. Et je sais qu'on peut continuer à le faire. Pourquoi? Je vous ai dit au départ, ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Et ce sont toujours les mêmes les losers. Vous êtes des gagnants, tous ensemble. Il y a parfois l'un qui doit faire taire l'autre, un qui doit faire bouger l'autre. Mais ici, c'est une équipe de gagneurs. Donc, on doit montrer, Mario a montré qu'il y avait de la personnalité, parce que je l'ai attaqué la semaine passée, et il a réagi directement sur le terrain d'entraînement. On l'a vu dans tous les journaux, il était marqué un tubise et pas tant de courage, des joueurs qui mordent sur leur chic, c'est ce que je veux voir demain. On doit tout donner, dans la dignité, ne l'oubliez pas, rester concentré tout le match, un match se joue. En 3 minutes, c'est, le match a été joué comme nous. Ils ont été inattentifs, le type a donné un coup de coude, et puis juste après, c'était caisse, après l'égalisation. Et on n'a rien à perdre que le plaisir de gagner. Donc faisons-nous plaisir en se donnant en fond une dernière fois, ici chez nous, pour faire un voyage de vacances à la mer, où on va aller chercher un point. Ok? Allez, bon match. Thank you.
Une chose importante qu'on ne profite pas, ils nous ont laissé gagner, on n'en a pas profité. De Trémery ne joue pas avec, il joue à 5 derrière, ils ont fait un marquage sur Kevin individuel et à personne qui parle. Il faut changer de système sans arrêt, il faut amener ce type, c'est le back droit, il met un demi-défensif qui est lourd comme tout, d'ailleurs le bus en est la preuve, qui est lourd comme tout, on n'a jamais attaqué de son côté, et on ne joue pas par les ailes. Je vous ai demandé de jouer à fond sur le flanc droit. Kevin, amène-le un maximum s'il continue sur le flanc gauche, même si c'est un bon joueur, attention. Amène-le un maximum sur le flanc gauche et jouez. Et alors, bon, il faut Y. Dans le match. Premier but, le centre et tout, malgré que là, juste sur ce premier but, dégagement, tu es là en dessous du ballon et tu sautes. Il faut essayer de juger le ballon pour aller dedans. Hein? Le deuxième, c'est un tout beau, mais on doit être au deuxième piquet comme on devait être au premier la semaine passée. On est sur notre bon côté, croyez-y, mais il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer. Parce qu'en contre, nous assez fort, Huggins pas tellement, mais nous assez fort, Bourgenot est fort, et ils vont faire rentrer Troc à un moment. Allez, il y a moyen de mettre un point en de quoi. C'est à fond, et on va pour un troisième, on va pour le 3-3. Vous avez entendu, l'autre score c'est 4-2. Il y a une équipe peut s'écrouler comme ça en une fois, mais pas nous, hein. Pas nous, hein. Avec sa corde, c'est de la faute de Bulling s'il n'a pas marqué. Si on ne monte pas, c'est de sa faute. Dieu! Non, sur le Hens. Après deux, il dégage.
la dernière. Ah oui, là, par là. Tu sais la mer directement le sillage. Tu sais ce qu'il dit toujours quand le ballon est parti. Je disais, c'est 93 minutes déjà le corps. Tu ne prends pas trop chaud comme un. Le cœur serré comme pour le dernier match, la dernière fois le vestiaire, la dernière théorie à domicile, etc. Tout est très dur avec les supporters aussi où il y avait un excellent contact. Avec le staff surtout, c'est ceux qui vont manquer le plus. Et les joueurs, comme on n'a jamais eu un problème ou si peu, c'est difficile de les porter. C'est parti. Lance une main, Jérémy. Les adducteurs. La limace. La grenouille. Ah ouais, c'est pour la radio, je pense. Un verre de thé. Il y a un autre, c'est comme ça. Ah, Epsoas. C'est maman, elle est assise. Ça, c'était pour notre temps. Tu dois le voir, c'est une scène de joie. Oh, allez travailler. Bouger d'eau. Je suis là. Moi, je suis curieux de voir Nils quand même. Ça, j'ai jamais vu. On l'a jamais vu. Avec lui. Il a levé la main comme ça à Alan Shearer et il a couru vers les supporters. C'était 4-0. Et après, il aurait pu marquer 2. Ok, les garçons, on part à 4h30. Attention que vous allez avoir des pattes froides dans le bus. Et ceux qui n'aiment pas, prenez votre nourriture avec, hein, on ajoutera des choses. Donc, ça vient d'un traiteur, enfin un boucher qui va le faire pour nous. Mais il faut absolument manger, donc 4h30. Tout le monde est convoqué. Tous ceux qui sont susceptibles de jouer. Mika, tu vas certainement venir avec. Hein, une certaine air. Et donc, on verra sur place comment on convoque. Ok. Bonne soirée à tous. Merci en tout cas pour le travail à l'entraînement. Il reste juste un dernier plaisir de match. Je vous ai dit que le mois de mai allait être le plus beau. Ça sera le cas. Je crains que tu devras aller tout nu dans la mer. Qui? Tu l'as dit, hein? Qui, Alissa? Tout le monde dans ton yeux. Et quoi, toi? Et quoi? Je le fais à une condition. Nadir, je vais avec toi. Quand on monte, je vais avec toi. Je sais pas où ils ont entendu ça. À mon avis, c'est vrai, les télétubis, c'est... Hein, c'est, je te jure. Tu filmes encore ça? Tu connais Jean-Louis? Jean-Louis, viens ici. Faut que je te présente. Jean-Louis, il a dit qu'ici on gagne demain ou jeudi, il va en string dans la mer du Nord. J'ai t'apporté un string de ma mère, tu vas voir. Allez, bonne soirée à tous, viens vous soigner. Elle est où la navette? Jean-Louis, même pas de discours, rien. Ça s'affiche qu'il est Mon avis, tu vas me dire que Jésus, c'est dans le monde, c'est important. Important dans l'histoire. Du coup, il y en a déjà eu beaucoup. Mais... Voilà. Yeah, que cela, moi. Après, physiquement et psychologiquement. Tout le monde est conscient que c'est des matchs super importants. Bon, ici, c'est le dernier de la saison. Donc, on sait qu'on doit tout donner. On veut essayer de garder des forces juste avant ce match. C'est très bien. C'est 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 bien. C
Par quoi toi ça? Oui, par ma belle-mère, préparée par moi-même. Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a, je m'attends. Merci qu'il nous regarde, Bernard. Regarde la petite, là, regarde la casserole avec les canards. Regarde ici, 2 kilos ici, 500 grammes, oh, Jérémy. Là, tu dois me le suivre. Non, le petit cornichon, le petit maïs, il y a tout. Il y a le jambon. Déborah, ses pâtes, extra. Ça doit être bon, ça. Il y a les petits cornichons, l'huile d'olive. Oh oui, tout est là. Jambon. J'ai pas fait mettre les olives, c'est un peu gras. C'est un grand classique, hein, ça. C'est un très grand classique. Ouais, pas mal. Des petits poissons là. 8 sur 10. 8 sur 10. 8 sur 10. Elle a déjà fait mieux, mais elle a déjà fait pire. T'es le meilleur pomme de car, jamais vu ça de ma vie. Tu manges du cochon toi? Non, que du bœuf ou du poulet. Ah, tu es musulman? Oui, je suis musulman. Et toi? Moi je suis chrétien, je mange du jambon, du cochon, du riz. Moi, d'accord. On est différents par nos religions, mais on mange tous les deux des pâtes. Nous sommes humains d'un côté. J'ai payé ça. Luttons contre la guerre, nous mangeons des pâtes tous ensemble. J'ai payé ça. Aujourd'hui, il y avait moyen de mettre plus, mais enfin, toujours des buts importants. À mon avis, ce soir comme ça, je ne vais plus en avoir beaucoup. Ce rendez-vous est unique. Mais pour les plus jeunes, comme pour les plus vieux, je tiens à vous dire que rien n'arrive jamais trop tôt. Il faut prendre tout ce qu'on sait prendre dans le sport. C'est très court une carrière, très très court. Prenons tout ce qu'on sait. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre en disant « Tiens, bon, on est jeune, on est déjà content d'être là, etc. » Le club a dit qu'il est prêt de faire une D1 en semi-pro. Rouler fait la même chose, ça c'est le meilleur exemple. Pour une fois, le staff vous demande un cadeau. Ça m'a dit dans le journal, on va y aller jusqu'au bout. Faites-nous ce cadeau d'aller jusqu'au bout dans vos efforts et dans votre concentration. Et Jean-Louis et moi qui vous quittons, on a envie de vous revoir l'année prochaine. On sait ce qu'on a à faire, c'est de monter. Vous êtes capable de le faire, donc faites-le comme je l'ai demandé, détente et puis concentration. Tous ensemble. Ok, mes garçons. L'équipe, la même chose, pardon, je passe un test, Giovanni. Tu t'échauffes avec les autres, de toute façon tu débutes le match. De toute façon, même si Fabrice fait son test, Julien est dans les 12, donc c'est Julien qui est sur le banc s'il devait avoir un problème. Donc, même équipe, juste des places différentes. Sur le banc, Laurent et Danet. Qui pique la basse? Tu étais dehors au moment où Yves part tout seul, mais ils sont 4 contre 1. J'ai peur, les deux. Allez, un petit.
Pourquoi, mais levez la tête et on va saluer tout le monde. Un fait de saison exceptionnel, exceptionnel. Merci à tous, le staff, les dirigeants et les joueurs. Bonne chance. Hey!
Merci.